Bienvenue à tous sur la chaîne des tutos bricots. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment fabriquer cette coccinelle à base d'un rouleau de papier toilette. La liste du matériel est assez simple. Utiliser une règle, une paire de ciseaux, un crayon à papier, une gomme. Ensuite, moi, je vais utiliser dans cette vidéo des crayons feutre noir pour colorier notre rouleau de papier toilette. Mais si vous possédez de la peinture noire, cela sera beaucoup plus intéressant pour les enfants. Ensuite, nous avons besoin forcément d'un rouleau de papier toilette, d'une feuille blanche et d'une feuille rouge, mais attention, celle-ci est cartonnée. La première étape est très très simple, il faut colorier ou peindre ce rouleau de papier toilette tout en noir. Attention, c'est parti! Le rouleau de papier toilette est maintenant colorié, nous allons maintenant, dessiner les antennes et les yeux. Dessiner des antennes assez grandes, puisque nous allons coller à l'intérieur. Et au niveau des yeux, nous allons juste faire un petit point noir comme ceci. Alors bien évidemment, il en faut deux, comme elle a deux yeux. Essayez qu'ils soient le plus identiques possible. Et n'oubliez pas de colorier les oreilles. Nous allons ensuite les découper. Pour les yeux, nous n'allons pas découper seulement ce petit rond noir, nous allons découper tout le blanc aussi à côté. Nous allons ensuite pouvoir coller les oreilles et les yeux. Alors pardon, ce ne sont pas des oreilles, mais des antennes sur une coccinelle. La prochaine étape va être de dessiner les ailes. Alors prenez votre feuille rouge et imaginez un petit peu deux demi-cercles. Une petite technique, je vous conseille d'en dessiner pour l'instant un seul. Vous voyez si ça fonctionne. Ça me paraît plutôt pas mal. Nous allons donc le découper. Vous le reposez sur votre feuille rouge et faites le tour avec un crayon de bois, ce qui va nous donner exactement la même taille. Voici l'ultime étape. Pour que notre coccinelle soit entièrement terminée, nous allons lui faire des petits points noirs un petit peu partout. Puis nous allons les coller juste ici. Alors je vous conseille d'abord de les coller entre elles. Voilà, puis les coller assez haut sur la coccinelle. Voilà, notre petite coccinelle est terminée.